Eh bien, bonjour Battambang. Alors aujourd'hui, je suis dans la deuxième plus grande ville du pays, au nord-ouest de Phnom Penh, donc environ à 300 km de la capitale, donc joignable en train ou en bus. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc un monument incontournable de la ville, absolument magnifique. Bon, vous connaissez un peu mes vidéos, donc vous voyez de quoi je vais sûrement parler. Je vous présente donc le Psarnath de Battambang. Donc le marché, en plein centre-ville, à côté de la rivière Sankhur, construit en 1936 par le même architecte qui construisit le Central Market à Phnom Penh, Jean des Bois. Donc architecture, elle aussi, remarquable. Donc je vous présente l'édifice, je vais vous montrer quelques petites vues en drone d'abord, avant de pénétrer à l'intérieur. J'ai jamais vu d'aiguille en fait à cette tour. Donc, vous pouvez remarquer encore le côté ventilation naturelle. Donc allons faire un tour à l'intérieur, voir à quoi tout cela ressemble. Ok. Donc déjà on va essayer de repérer la tour de l'horloge, on va l'appeler comme ça, de l'intérieur pour voir un peu à quoi ça ressemble. Si on a un accès quelconque. Bon, là, il est 8h du matin. Les commerçants ne font juste qu'ouvrir leur magasin. Donc, on a juste une vue. Je vous montre ça de suite. Donc, on a juste cette vue extérieure. Donc, l'extérieur peint en jaune, comme le marché central de Phnom Penh. Intérieur peint en blanc. Donc, l'architecture du toit, je la trouve assez remarquable aussi. Et on a un dernier marché comme ça au Cambodge, un peu similaire. Donc je vous présenterai ça dans une future vidéo, j'en dis pas plus. Voilà, vous voyez, tout a été pensé pour avoir à chaque fois cette ventilation, l'air qui circule naturellement à l'intérieur du marché. Nous avons apparemment toute cette partie à l'intérieur du marché qui semble bien calme ce matin, donc rien n'est vraiment ouvert. J'en passerai peut-être. Ah, vous avez un bijoutier, Sodaï. Vous avez donc un bijoutier à l'œuvre en train de faire des beaux bijoux en or, donc je pense une commande. Donc on retrouve évidemment tout ce qu'on a déjà sur les marchés, ce que je vous ai montré au Cambodge, avec tous ces petits métiers d'artisanat. Donc les salons de coiffure, hein, ça c'est partout aussi. Donc j'en profite quand même aussi pour vous montrer la structure du toit du marché. Donc là en fait on est sur une des ailes intérieures, puisqu'à côté vous voyez le plafond est beaucoup plus grand, beaucoup plus haut. Je vais continuer en fait. Alors la particularité, vous avez pu voir sur les images en drone de ce marché justement, c'est d'avoir deux bâtiments. Donc il y a cette place au milieu. Donc là nous sommes dans le rayon des bijoutiers, pareil, mais non, c'est quand même curieux là. Tout est bien calme ce matin. En général, les marchés sont ouverts assez tôt. Donc, je pense faire d'autres images dans la journée aussi pour compléter tout ça. Voilà, donc la deuxième partie du marché. Donc même bâtiment, même structure.
avons quelques établissements ouverts le matin pour des petits déjeuners, café, thé, etc. comme on a aussi sur tous les marchés du Cambodge. Voilà, je vous montre quelques personnes attablées. Donc, je vais faire un tour dans la deuxième partie. Donc, même si on a une partie des magasins qui restent fermés ce matin, toute la partie frais, légumes, viande et fruits, évidemment, sera active. Le make-up du matin, sur ce daï. Voilà, vous voyez très peu de magasins ont pour l'instant levé leur rideau. Donc c'est un marché qui est quand même intéressant à voir quand il est animé. Donc là, c'est vraiment le passage furtif. Donc, je vous laisse à nouveau admirer les arches du toit. Donc direction la partie active où les gens travaillent déjà. J'arrive bientôt au bout du marché. Vous pouvez voir un petit peu au-dessus de ma tête. Alors c'est assez délicat d'avoir une vue d'ensemble, évidemment, de toute la structure, comme on a aussi au marché central. Alors je vous montre quelque chose un peu particulier. Voilà, vous pouvez voir la structure en fait est toute noire, toute sombre. Et il faut savoir qu'il y a, il me semble, 2 ans, il y a eu un très grand incendie à l'intérieur du marché. Donc je pense que les murs n'ont pas été nettoyés, sont restés tels quels. D'où la différence avec la peinture blanche qu'on avait sur la première partie. Voilà, donc vous avez pour les amoureux des épices, donc quelques pâtes de curry, des piments, de l'ail. Donc nous avons nos vendeurs de fruits et légumes. Voilà, activité hésitante en ce samedi matin. Vous avez ici des saucisses sèches, saucisses douces et de la viande séchée au soleil, donc poisson, bœuf. Vous avez même quelques noix de coco à côté. Je vais faire le tour de quelques stands. Donc là, vous avez du poulet. Voilà, des bons poulets tout frais du matin. Et nous avons des fruits de mer. Alors la mer est quand même assez loin. Nous avons des fruits de mer, donc je pense que maintenant les acheminements depuis Phnom Penh se font assez rapidement avec tout ce qu'on a d'habitude, huîtres, calamars, crabes, crevettes. Voilà, le stand est assez conséquent. Des pâtes, des œufs. Voilà, et nous avons un grand stand de poissons séchés. Je vous en avais montré un très grand sur le marché central de Phnom Penh déjà. Donc on retrouve un petit peu le même type de poissons. À des prix divers, bien entendu. Voilà, donc les Asiatiques en général sont friands, très friands de poissons séchés. Donc c'est pour ça que vous avez diverses variétés. Voilà, nous avons donc ces nems. Ces nems, ce sont ces petites boulettes faites avec généralement de la chair de poisson. On a aussi de la viande parfois, enfin bref, de la chair de poisson, cru bien entendu. Et vous avez un tout petit piment à l'intérieur, justement, pour pouvoir tuer les bactéries. Voilà, et vous avez donc la patronne du stand, en fait, qui continue à préparer ces petites boulettes. Je suis donc à l'arrière du marché. Vous pouvez constater sur le pilier central une horloge. Alors il reste des aiguilles, aucune idée si c'est un design moderne ou s'il s'agit d'un reste. J'essaye de zoomer un petit peu pour vous montrer. Voilà. Bon, par contre, je vous rassure, il est 8h30, hein, il n'est pas 14h. Donc ça ne fonctionne pas bien. Donc activité très timide. Sur le marché ce matin, très très timide, je vois très peu de personnes. Donc, j'arrive à une des ailes du marché, j'arrive au rayon boucherie. Là, généralement, le rayon boucherie est toujours animé le matin, et là, c'est le cas. Petits échanges du matin, nous avons stand de bœuf,
chaud. Voilà, on vient choisir son morceau de viande, la taille, la partie. Voilà, donc je ressors. Donc là, toujours les mêmes stands du matin, là, rien de particulier. Les gens commencent tout juste à ouvrir, il est 8h30. Voilà, sauce d'ail. Et voilà, la patronne est en train d'installer. Donc une vue de l'allée centrale. Donc à nouveau, je vous montre la structure du toit. Vous avez bien remarqué en drone, justement, ces différentes petites fenêtres étages. Moi, je la trouve plutôt bien faite. Nous arrivons au bout de la deuxième structure, enfin la structure qui est derrière la tour principale. Donc nous arrivons au bout d'une structure et j'appelle ça un petit peu le poste de sécurité. Je ne suis jamais rentré, j'ai toujours vu cette porte fermée. Donc 2 heures plus tard, beaucoup plus de stands ouverts. Crayons, vêtements, tailleurs. Le rayon des chaussures. L'eau. Voilà, donc c'est un peu comme partout dans la capitale, vous trouvez quasiment quand même tout ce que vous voulez sur le marché. Donc, je vais prendre une toute petite allée. Alors malgré la ventilation, la chaleur à l'intérieur est assez accablante. Moi j'ai marché quoi 2 heures ce matin, j'ai l'impression d'avoir fini ma journée. C'est à peine supportable. Donc là on est dans tout ce qui est produits de beauté, à nouveau shampoing, savon, lessive, etc. Bon, les bijoutiers, hein, c'est souvent eux qui ont les plus gros business des marchés. L'or est une valeur sûre. Là, vous avez quelques tailleurs. Tailleurs, tailleuses et étudiants qui étudient. Hello. Voilà, une dame en train de confectionner une belle robe, ce d'ail. On en est plutôt sur du tissu en gros. Voilà, tout est à faire sur mesure. Voilà, à nouveau, transition sur le toit, l'architecture. Voilà, j'espère que la visite du marché de Battambang, le Psarnath, vous aura plu. Je vous invite donc pour votre prochain passage dans la ville absolument à visiter cet édifice. Donc passez le matin, matin pas trop tôt, vous avez vu hein, sur la vidéo, il y a une activité juste au niveau du rayon frais, légumes, viande, fruits, etc. Plutôt en journée, une bonne activité sur le marché. Vous êtes en face de la rivière et je vous montre une dernière vue en drone. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao !Ok. Eh bien, bonjour Battambang. Donc aujourd'hui, je suis dans la deuxième plus grande ville du pays.
Ok, on recommence. Vous pouvez remarquer, donc je recommence. Petite transition, merde. Je sais vraiment plus quoi dire, moi, il y a des jours. Hein. Putain, je suis vraiment éclaté. Hein.